Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement se faire un petit pack opening. Alors ce pack opening est full arène 6, donc tous les coffres sont arène 6. Et en plus il y aura deux coffres à couronne, donc ce sera plutôt cool. Alors bah, on va essayer de débloquer, ça j'ai déjà débloqué, ça j'ai déjà débloqué. Mais on va essayer de débloquer au moins ça, ou même, pourquoi pas, une petite légendaire. Donc pas elle parce qu'elle est pas super, elle franchement ça va, elle passe, elle... Bah elle est puissante, hein. Il faut juste la gérer, voilà, il faut juste la gérer, mais elle est puissante, c'est sûr, quand ça touche la tour, ça touche la tour, en plus ça fait du dégât de zone, c'est magnifique, et elle coûte pas vraiment cher, moi je l'aurais plus mis à 7 ou 8 élixirs, enfin bon, en attendant, franchement, il y a moyen qu'on fasse quelque chose, et puis voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir un petit coffre gratuit, en espérant qu'on ait une épique, une nouvelle épique, pourquoi pas, un petit golem, franchement, Bah on se testerait peut-être pas, mais peut-être. Enfin bon, donc du canon, ouais, intéressant. Et un mini PK. Bon, jusque là, rien de nouveau. Ça reste basique. Au moins, j'espère avoir de l'élixir et quoi d'autre. Enfin, je sais plus ce que c'est. Ah ben non, après c'est le golem. Ouais, bon, c'est vrai que... Non, parce qu'après c'est les mortiers. Les mortiers, bon, voilà quoi, c'est pas non plus... C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Bon, cabane de gobelins. Bon, jusque-là, par les mortiers, mon petit, tu m'as pas donné grand-chose. Là, ça commence mal, tu vois. Ça va qu'il y a pas mal de coffres, hein. Donc, coffre gratuit. Ça donne quoi? Ouais, chevalier. Intéressant. Et un petit géant. Ok, d'accord. C'est pas que je m'en fous de les autres arènes, mais enfin, c'est juste que moi je veux des nouvelles là, histoire que ça serve à quelque chose, tu vois. Là, j'ai pas autant de coffres pour rien, quoi. J'ai pas autant de coffres de niveau 6 pour rien. Et ben voilà, un petit destructeur, ça fait plaisir, voilà. Donc bon, je l'augmenterai pas pour l'instant, puisque pour l'instant j'ai pas envie de l'utiliser. Mais peut-être plus tard, on pourra essayer de faire un petit deck avec, ça pourrait être marrant. Bon, alors, 42, ouais. Un mortier, ouais. Bon, bah t'es gobelin à lance, bah ouais, vas-y. T'as pas mieux en stock, t'es en rupture de stock, ou ça se passe comment, là? T'as pas des golems en stock, s'il te plaît, là? 168 d'or, un petit sorcier, ouais, pourquoi pas. Et 7 mortiers. Et 2 mousquetaires, mais dis donc, ça, c'est vraiment des troupes d'arène 6, hein, ça, c'est sûr. Et une horde de gargouilles, enfin, 16 hordes de gargouilles, oh là là là. Bon, là, tu vois, c'est pas ce que j'espérais. Non, des très bonnes troupes, hein. Des troupes vraiment magnifiques. Géants, hordes de gargouilles, mousquetaires, sorciers, tout ça, là. Mais c'est pas arène 6, tu vois. Moi, je veux du nouveau, tu vois. Mais malheureusement, donc 368 d'or. Alors, ça, c'est magnifique, ça. À chaque fois que je vois ça, putain, je me dis, ouais, je suis riche. 4 gemmes. Une cabane de gobelins. Allez. Et 8 mortiers, mais putain, donne-moi autre chose. Mais mini PK, oh tu me donnes une épique s'il te plaît. Allez. Mais non, mais des esprits de feu. Mais je veux pas les esprits de feu moi. Les esprits de glace par contre, je veux bien. Bon, c'est pas encore possible, mais... Oh là là, gros, je suis arène 6 quoi. Oh, j'ai eu aucune troupe d'arène 6, à part un vieux extracteur et quelques mortiers que je m'en fous complet. J'aurais bien voulu avoir des légendaires, tu vois. Non, mais au moins celle-là quoi, au moins le golem quoi. Bon après ouais c'est sûr ouais, je viens juste d'arriver. Voilà c'est pas non plus bon. Les épiques ça court pas les coins de rue. Ah là là. Bon on va se faire deux petites attaques. Et après on ouvrira ce fameux coffre à couronne. Putain je m'attendais à mieux hein. Ah je m'attendais à mieux. Mais bon faut dire aussi il y a pas beaucoup de cartes. Regarde il y a juste un vieux mortier. Que c'est un mortier c'est que pour tirer sur les tours adverses. Donc c'est vraiment de la merde. Il y a un extracteur d'élixir, bon bah pour l'instant il est pas assez EP donc voilà, mais on en a pas eu tant que ça finalement, d'ailleurs, parce qu'on en a eu qu'un seul, donc bon. Mais bon, malgré tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire à tout de suite pour une attaque. Allez c'est parti. Allez c'est parti les gars, on est contre Douji, donc qui est niveau 8, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de temporiser, on temporise. Donc on temporise avec le molosse de lave, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des gargouilles histoire de protéger. Ah, la sorcière. Oh, waouh. À ce point-là, mon petit, à ce point-là. Bon, on va quand même mettre les gargouilles. On va mettre, hop, les petites flèches. Nickel ou pas les flèches? Nickel. Oh là là, regardez-moi ça, on se fait plaisir. On se fait plaisir, est-ce qu'elle meurt? Mais elle meurt en plus, elle meurt, mais regardez-moi ça. Et en plus, en prime, regardez, on envoie de la Valkyrie Cochon sur le côté, en espérant qu'il défende pas. Normalement, avec la boule de feu qu'il a tirée là, il a plus grand-chose. Allez.
ça va, on va dire que ça va. C'est pas extrême, mais on va dire que ça va. Dommage qu'elle touche pas la tour, c'est vraiment dommage. Mais malgré tout, regardez-moi ça. Oh là 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 là! Oh, ce Valkyrie cochon, hein. Oh, ce Valkyrie cochon, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, quelque chose. Bon, ce qu'on va faire... Ah ouais, mais si j'envoie ça, je pourrais plus défendre. Bon, à la limite, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer de ça, et puis après, j'essaierai d'envoyer... Ok, le géant, résiste le géant, s'il te plaît. Nickel. Allez, 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 vite, vite, vite. Vite, les molosses, là. Pourquoi il est pas apparu? Et, mais je te jure, hein. Oh, Clash Royale, Clash Royale. Oh là 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 là. Bon, ça va, on a résisté, je suis content. Je pensais qu'elles allaient tous mourir, mais non, ça va. Il y en a eu, deux qui ont résisté, c'est parfait. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah, c'est... Il y a des fois, tu te prends des dérouillés avec ce deck, mais il y a des fois, tu te fais plaisir, mais oh là 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 là. Ça dépend de contre qui tu tombes, en fait, hein. Ça dépend, hein. Le mec, il suffit qu'il ait une tour, et déjà, ça te donne une grosse difficulté, mais bien énorme, tu vois. Bon, hop, on envoie du cochon. C'est vrai que c'est pas forcément une très bonne idée, ce que j'ai fait. Mais on va dire que ça passe, ouais. On va dire que ça passe, ouais. On a tapé deux fois, c'est déjà bien. On a largement l'avantage pour l'instant, donc ça c'est plutôt pas mal. Il va renvoyer du géant, bien entendu. Non, même pas. D'accord, ok. Bon, de toute façon, ça me change rien. Ça me change rien parce que je vais le défoncer. Voilà, donc là on va mettre du molosse de lave. Nickel. Nickel ou pas? Non, ça va, ça va. Elles ont résisté. Elles ont résisté, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal, franchement magnifique, regarde-moi ça. Oh là 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 là, le mec il doit se dire en face, mais quel connard ce mec. Il commence à me saouler le mec là-haut, il arrête d'utiliser ses machins. C'est de la triche, moi j'ai pas de légendaire et tout ça. Ça se trouve il l'a aussi, hein. Ça se trouve il l'a aussi. En attendant ça passe ou pas? Ouais, ouais, ça va, ça va. Bon, cette fois-ci on n'utilise plus de cochon parce que ça serait trop simple, hein. Ça serait une victoire un peu trop simple. Il y en a plein comme ça, des fois, ils utilisent cochon. Oh, un moment, il restait 2 secondes. Le mec, il a utilisé cochon, cet enfoiré. Oh là là là, enfin, il restait 2 secondes. Il restait 5 secondes, il a utilisé cochon. Il restait genre 81 points de vie sur la tour. Oh, j'ai gagné. Dommage, j'ai pas le 3 étoiles. Oh là là. Bon, bah, c'est pas très grave. Super combat, bonne chance. Bon, allez. Oui, donc du coup, comme je disais, à un moment, il restait 81 points de vie sur la tour principale, donc sur la 3ème tour. Et le mec, il a envoyé cochon, comme ça, il restait 5 secondes, il a envoyé cochon, hop là, il a terminé. Il était content, c'est... Putain, je dis, vas-y, toi, t'es vraiment pas loyal, toi. Hein. T'aurais pu faire une égalité, tu vois, il y aurait eu égalité, voilà, on a chacun de son côté, tranquillou, tu vois. Non, vas-y, le mec, vas-y, il m'a bien... Putain, je te jure, hein. Hey, y en a, franchement, ils sont pas sympas. Hein. À 2 secondes de la fin, enfin, à 5 secondes de la fin, tu fais pas ça, quoi. Putain, tu te dis, bon, allez, voilà, on est sympa, on va se faire une égalité, au moins 0-0, ça passe bien. Mais non, vas-y, le mec, vas-y. Il envoie le mec, vas-y, hop là. Putain, je te jure. Enfin bon, en attendant, moi je vais vous dire à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre ZDJ. Voilà, là c'est déjà un peu plus simple à prononcer. Donc il est niveau 8, donc hop, on fait ça, bonne chance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer de gauche, voilà. Ça sera plus simple pour nous. Oula, badi. Bon, du coup, on va attendre, parce que pour l'instant, bah, on peut rien faire. On peut pas défendre parce que ça servira à rien. On peut pas attaquer parce que pour l'instant on sait pas ce qu'il a comme troupe. Donc on peut pas se dire que attaquer ça serait vraiment la meilleure chose à faire. Bon ouais. Pour l'instant ça va, on commence bien. La Valkyrie qui défend bien, hop. Ok, bah ça va. Franchement on se fait plaisir. On va envoyer une petite horde en espérant qu'il ait pas de flèche. En espérant, hein. Mais bon, des fois on espère et pourtant c'est la merde. Ça donne quoi? Ça donne qu'on l'explose. Ah bah non. Finalement, ça donne pas qu'on l'explose. Il avait un petit sort de gel, le malin. Mais ça va quand même. On lui enlève pas mal. À peu près ce qu'il m'a enlevé. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il m'ait enlevé autant. Bon. J'avoue que là, c'est pas extrême, là. J'avoue que là, c'est pas fameux. Bon. On va envoyer du cochon. On va essayer de finir ce tour-là. À main nue. On va y aller à main nue, c'est moi qui vous le dis. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, le cochon qui... voilà, les archis qui font diversion, le cochon qui va casser la tour, c'est magnifique. On va essayer de se prendre cette fameuse 3 tours. On va essayer de prendre la 3ème tour, la tour principale, quoi. Et on va essayer de se faire ce 3 couronnes. Ça pourrait être vraiment pas mal. Du coup, on serait à 9 couronnes, il nous manquerait plus qu'une petite couronne et on pourrait ouvrir le 2ème coffre à couronne. Ça serait vraiment pas mal. Bon, ça donne quoi, là? Ça va? Ok, ça va. N'oublions pas qu'il a un petit sort de gel, n'empêche. Ah ouais, non mais bon, malgré tout, petit sort de gel. Voilà, hop, nickel ou pas? Franchement, on se fait plaisir. Regardez-moi ça. Oh là là, mais c'est... Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Eh, ce deck, des fois, hein. Ah, ce deck, des fois, il gère. Hein. Des fois, il est nul. Mais alors, mais des fois, il gère. Oh,
Mais des fois, mais il gère. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. J'adore ce deck, j'adore. Allez, on envoie du cochon, on est des malades. On est des enfoirés. Bon, c'est parti, qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien ou pas? Ça donne bien ou pas? Est-ce que ça donne bien? Moi, j'ai envie de dire ça donne bien. Bah, carrément, ça donne bien. Bon, bah, je sais pas. Ouais, bah, je sais. Ok, bon, bah, bonne chance, hein. Oh, papa! C'est en mode bruit d'Otari ou je sais pas quoi, c'est... Non, c'est même pas un bruit d'Otari, c'est quoi, c'est un bruit de... Moi, je sais pas ce que ça pourrait être, mais c'est un bruit chelou, tu vois. C'est génial, coffre magique. Wow, arène 6, les gars, arène 6. Ah, c'est génial, ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir ce coffre à couronne, les gars. Donc, on va appuyer là-dessus, je pense. On appuie ou pas? Regarde, attends, je vais essayer d'appuyer avec mon doigt, là. Oh, ça a fonctionné. Oh, mon écran est tactile. Mais non, je déconne. Oh, pop. Mais l'autre coffre à couronne qu'on a eu, il était arène 5. Et oui, l'autre coffre à... Et oui, parce que j'ai eu que 300 et quelques. Donc l'autre... Ah, donc ça veut dire, c'est pas dès qu'on le débloque, qui... C'est pas... Si on le débloque arène 6, eh ben, il est pas arène 6. Si t'étais arène 5, le moment où... En gros, c'est pas au moment où tu le débloques en faisant les attaques, c'est le moment où tu le débloques avec le temps. Le moment où tu peux pouvoir attaquer. Enfin, je sais pas si vous m'avez bien compris, mais... Putain, d'accord. Bon, bah du coup, il était arène 5, l'autre coffre à couronne. Bon, du coup, petit coffre à couronne arène 6. Il y a intérêt d'avoir du golem, les gars. 2 gemmes. 4 mortiers. Là, on commence bien, déjà. Enfin, pas du tout. Mais... Oh, 16 squelettes. 27 gobelins à lance. Et 5 pierres tombales. Putain, le mec, il pouvait pas me faire plus plaisir que ça. Ça se sent pas que je suis... Oh, mais regardez. Franchement, là, ça s'entend quand même que là, ça me fait plaisir d'avoir des pierres tombales. Ça s'entend quand même. Non, ça s'entend pas. Putain, je te jure, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes pierres tombales, mon petit. Oh là 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 là. Bon, du coup, on va tout simplement se quitter là. Voilà, donc on a joué avec ce fameux deck. Deck qui est plutôt sympa. Franchement, un deck... Si vous pouvez... Putain, non, c'est chiant, là. Ah, si vous pouvez l'utiliser, essayez-le. Franchement, si vous avez ce qu'il faut comme troupe, essayez-le. Il est magnifique. Problème, c'est qu'il y a une légendaire dedans. Donc, voilà. Les légendaires, je trouve qu'elles sont vraiment trop rares. Ils devraient augmenter la chance des légendaires, parce que c'est vraiment un truc dans... c'est un truc dans... Voilà. Mais bon, ce jeu est basé sur la chance. C'est un truc de fou. Hein. C'est même plus de la chance, là. C'est de la connerie. Enfin bon, du coup, moi, je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine fois, on se fera un pack opening avec coffre magique. Et puis voilà. Donc du coup, je vous dis une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. On va essayer d'envoyer quand même les flèches. Histoire de faire un minimum de délire. Ouais, on va dire que ça va. Oh, il y a moyen, les gars, il y a moyen. Attendez. On va envoyer encore. On va envoyer du cochon. Vite. Là, il y a moyen de faire quelque chose, là. On peut se rattraper. Oh, on peut se rattraper, les gars. Oui. Allez, tue-le-moi. Oui, on va se rattraper. Hein? Ton zappi, il vaut rien. Il vaut rien. Oui, il vaut rien, ton zappi. Ouh. Yes. Putain. Il vaut rien, ton zappi. Il vaut rien. Moi, j'ai un molosse de lave, mon petit. Tu vas faire quoi avec ton zappi, là? Hein, avec ton zappi pipi, là? Hein, ton zappi pipi, tu vas faire quoi avec ton zappi? Eh ben, il vaut rien, ton zappi. Il vaut rien du tout. Ah, c'est génial, j'adore. Ça, c'est bon, ça. J'adore quand tu... les mecs, ils ont des troupes de ouf comme ça. Et quand j'arrive à les... Bim, ça fait plaisir. Quand j'arrive à me rattraper comme ça, c'est cool, ça. Et vraiment, avec le molosse de lave, c'est vraiment le truc pour te rattraper, mais au dernier moment, quoi. C'est génial. Putain, c'est génial.